Bonsoir à tous. Premier tout, je veux dire que je suis très heureux d'être après 2 ans en retour au Maroc, spécialement ici à cette fascinante ville de Casablanca. Et merci à l'Alliance économiste de l'Istiklal, de la CIS, et à vous tous pour l'invitation. Et je suis aussi très honoré parce qu'il y a ici 2 qui sont été très bons ministres. Si je me rappelle, une de tourisme, l'autre de l'énergie. Une ministre actuelle de solidarité et de la femme et mon ami, le ministre Nisar Baraka de l'équipement et de l'eau. Notre amitié a commencé il y a des années, on était à la jeunesse de notre parti. Ce matin, on était heureux de te retrouver avec la jeunesse de l'Istiklal. Je disais que toujours j'aime de dire qu'il y a 2 jours, j'étais membre de la jeunesse de mon parti, le Parti populaire en Espagne. Et je suis très honoré, comme je dis, d'être parmi vous. Si je dis quelque chose qui choque, je m'excuse parce que j'ai perdu les lunettes ce matin. Donc, je dis ça en avance. Bon. J'arrive directement à Bruxelles, du Parlement européen. Durant les 7 derniers mois, la guerre d'Ukraine était au centre de toute notre préoccupation. C'est actuellement l'une des plus grands défis de l'Union européenne, mais malgré tout, nous essayons de ne pas oublier nos partenaires du Sud. Crucial pour l'avenir de l'Union européenne. D'ailleurs, moi-même, comme rapporteur de la Commission des Affaires étrangères du Parlement européen pour le voisinage Sud, j'ai fait approuver un rapport avec des recommandations de la part du Parlement européen destinées à la Commission européenne. Et c'est dans le but de renforcer nos relations entre les pays de la Méditerranée. Mais avant d'élaborer sur les relations entre l'Europe et les voisinages du Sud, je souhaiterais partager avec vous mon analyse de la situation géopolitique actuelle. Je parle ici non seulement comme une Européenne, mais aussi comme Espagnol, membre du Parlement. Le 24 février dernier restera gravé à jamais dans l'esprit des Européens. Après 70 ans de paix sur notre continent, la guerre a fait son retour de la manière la plus brutale qui puisse exister. L'Europe a très rapidement durci le temps. Les 27 pays ont directement annoncé des sanctions jamais adoptées auparavant. Et l'Union européenne a pris la décision d'envoyer les armes aux Ukrainiens. Il était clair dès le départ de ce conflit que Poutine pensait finir très rapidement, allait se prolonger. Et que toutes les solutions que nous, Européens, allions prendre devraient être réfléchies et durables. Pour nous, il ne s'agit pas seulement d'une guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Il s'agit d'une guerre contre notre sécurité énergétique, contre nos économies, contre nos valeurs et contre notre avenir. Nous ne pouvions simplement pas accepter qu'un État comme la Russie s'attaque à un autre pays indépendant et souverain. Il est clair que la Russie cherche à réécrire les règles de l'ordre international par la guerre, et nous ne pouvons simplement que l'accepter. L'Union européenne se renforce chaque fois qu'elle fait face à une crise. Et de chaque crise à laquelle nous sommes confrontés, nous réagissons plus rapidement. Il y a 15 ans, lors de la crise financière, il nous a fallu des mois pour trouver des solutions durables. Quelques 10 ans plus tard, lorsque la pandémie nous a frappés, il ne nous a fallu que de quelques semaines. Mais cette année, Dès l'instant où les troupes russes ont franchi la frontière ukrainienne, nous avons immédiatement et fermement répondu en représentant un front uni. L'Europe n'est pas le premier continent que la Russie a essayé de déstabiliser. Nous avons pu voir cela en Syrie, où la Russie soutient un régime criminel. Elle a d'ailleurs, par ces moyens, essayé de se crédibiliser comme un acteur politique, économique et stratégique dans toute la région. Non seulement la Russie est le principal pourvoyeur d'armes pour certains pays de la région d'Afrique du Nord et de Moyen-Orient, mais elle utilise également des pions bien spécifiques pour déstabiliser la région, tel ce que fut le cas en Libye et au Sahel, à travers des mercenaires qu'on connaît comme le groupe Wagner. La situation en Europe aujourd'hui ne sert pas facile, mais nous travaillons fortement pour trouver des alternatives au gaz russe afin de diminuer notre dépendance. Comme partout, nos économies sont sous pression. L'inflation atteint de nouveaux records, le prix des produits alimentaires et de l'énergie explose. Les mois à venir ne seront pas faciles pour personne, pour pays. Que ce soit pour les familles qui peinent à joindre les deux bouts ou pour les entreprises confrontées à des choix difficiles pour leur avenir. Mais je reste convaincu que la crise énergétique connaîtra une fin. En revanche, d'autres crises sont là pour durer. Je pense notamment au changement climatique qui risque de mettre à rude épreuve différents secteurs cruciaux à la survie de notre humanité. Pour exemple, je pense que le monde entier a fait l'expérience de sécheresse pendant les derniers mois. Nos agriculteurs ont été fortement impactés. Il est clair que ce genre de phénomène ne s'arrêtera pas, mais bien au contraire, s'accentuera avec le temps. 30 ans se sont écoulés depuis la fin de la guerre froide. Et nombreux sont trop jeunes pour savoir ou sont déjà oubliés à quoi ressemblait la guerre froide et comment les États-Unis ont mené le monde libre à la victoire. La combinaison de la force militaire et de la pression idéologique qui a conduit à la victoire sera maintenant de nouveau nécessaire. Cette nouvelle guerre froide exigera de nous tous une discipline et solidarité sans précédent. Et cette fois-ci, l'Europe a besoin pas seulement des États-Unis, mais de tout le partenariat sud pour arriver. Cette nouvelle époque dans laquelle nous vivons est caractérisée par le fait que des certitudes que nous pensions jusqu'ici immuables se sont évaporées. Les sentiments de sécurité en Europe et dans le monde, que nous perdons progressivement, est une menace croissante de nos libertés. En plus, la Russie met en question un principe fondamental de notre système international. Le principe de la souveraineté. On ne peut pas jouer avec la souveraineté et l'intégrité territoriale d'un pays. Malgré tout cela, et malgré tous les changements et surprises de cette période incertaine, comme la guerre en Europe, il y a quelque chose qui ne changera pas entre nos pays. C'est le fait de continuer à être voisins. Certes, parfois dans ce voisinage, il y a des défis. Nous ne pouvons pas nous accorder sur tout. Mais de l'autre côté, c'est justement en raison de cette proximité que nous devons saisir toutes les opportunités dans le respect et la cordialité. Nous défendons et croyons dans les relations de voisinage saines, fortes et vigoureuses. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Avant tout, une confiance mutuelle, le respect institutionnel, la coopération et la collaboration continue. Les relations hispano-marocaines sont d'une importance primordiale. on ne partage pas seulement une longue frontière maritime, mais aussi une frontière terrestre. On a une responsabilité de mener une politique extérieure solide, sans surprise et toujours basée sur la loyauté et la confiance. Nous nous devons d'être des loyaux voisins l'une vers les autres, car nous partageons toujours des défis communs. Pour certains, ceci est une évidence, mais nous vivons dans un monde inter- et hyperconnecté. Vos problèmes sont nos problèmes, et nos problèmes sont vos problèmes. Le retour de la guerre en Europe nous a pris beaucoup de choses. L'une des plus importantes est que les décisions unilatérales peuvent avoir des effets pervers, imprévisibles et incontrôlables. La plus grosse erreur du gouvernement russe, à mon avis, a été de ne pas comprendre le paradigme actuel de relations entre le peuple et le gouvernement, qui tourne autour de l'interdépendance mutuelle de nous tous. Au tableau de la géopolitique et des relations internationales mondiales, le Maroc et l'Espagne sont appelés à jouer un rôle très important en tant que garante de la stabilité dans cette région du monde. Et pour réussir dans ce rôle, nous devons travailler ensemble pour l'assurer. Dans chaque crise, je suis né américain, donc c'est ma part américaine qui dit que dans chaque crise, il y a une opportunité. Ainsi, nous devons revitaliser la coopération régionale et améliorer les relations dans le pourtour méditerranéen. Dans le rapport partenariat renouvelé avec le voisinage méridional, approuvé 15 jours plus tôt lors de la session plénière de Strasbourg, je mets l'accent sur le commerce, la promotion des investissements et le soutien de la croissance économique dans la région. Parallèlement, nous voulons soutenir un accès plus large à l'éducation, à la formation professionnelle et à l'emploi, afin que les jeunes des pays du voisinage sud jouissent de réelles perspectives d'accès à l'emploi et d'une intégration socio-économique effective. Nous soulignons également l'importance d'attendre l'accès au programme Erasmus et Erasmus+, aux participants des pays de voisinage méridional et d'augmenter les financements alloués à ces sens, tout en empêchant que cette mesure ait une coïncidence négative sur le voisinage méridional en raison du phénomène de fuite de cerveau. On rappelle l'importance de la mobilité circulaire, y compris le sens sud-sud et le partenariat pour la mobilité, afin que les professionnels des pays du voisinage méridional aient des possibilités concrètes d'enrichir et d'entendre leur formation et leurs compétences professionnelles dans l'Union et de retourner dans leur pays d'origine pour partager et développer des connaissances. Les recommandations comprennent des changements climatiques, la relance après la crise du coronavirus, la politique numérique et l'énergie. Un nouveau modèle commercial fondé sur les sources d'énergie renouvelable où l'accès à ces sources joue un rôle essentiel dans la neutralité climatique du voisinage méridional et de la protection de celui-ci contre les effets du changement climatique. Seulement avec vous, le Maroc, et les autres voisins du Sud, l'Union peut atteindre ses objectifs de neutralité climatique. Le dialogue et la coopération dans la région sur la gestion durable de l'eau, y compris la technologie et l'accès à l'eau, les économies d'eau, les eaux récupérées et des dispositifs de dessalement utilisant une énergie renouvelable sont primordiales pour nous tous. Merci, Nisar, parce que j'écoutais ce matin toutes les prévisions et tout ce que ton ministère fait maintenant sur ce sujet aussi crucial pour ce pays. Et ça, c'est très important pour nous. Je pars à Bruxelles lundi prochain avec des messages sur ce qui se passe ici. Je pense qu'un des plus grands succès des coopérations entre les pays du pourtour méditerranéen, ce sont les accords entre le Maroc et l'Israël. Je ne parlerai pas d'accord de normalisation car vos deux pays ont toujours eu de liens historiques très forts. Nous avons pu voir à quel point ces accords ont été bénéfiques dans les différents domaines, que ce soit économique, sécuritaire, de l'éducation, innovation. Dans ce projet de partenariat renouvelé avec les voisinages méridionaux, l'Europe veut aussi soutenir l'augmentation dans la région des investissements dans les sources d'énergie renouvelable, telles que le lien, le solaire et l'hydrogène vert, que c'est aussi avec les accords. Nous devons financer la transition vers une économie numérique et la neutralité carbone. Il nous faut un environnement propice aux entreprises, une main-d'œuvre ayant les compétences recherchées et un accès aux matières premières dont nos industries ont besoin. Notre compétitivité future en dépend de cette collaboration. Je suis tout à fait conscient que nous n'avançons pas tous à la même vitesse, mais nous avons tous le même objectif. Nous devons éliminer les obstacles qui freinent nos entreprises d'investir dans les deux côtés de la Méditerranée. Les entreprises doivent être au centre de cette transformation, car ce sont elles le moteur de l'industrie. Et elles ont toujours fait passer leurs salariés en premier, y compris en période de crise. Nous voulons collaborer étroitement avec les entreprises, car ce sont elles qui savent le meilleur de quelle main-d'œuvre qualifiée ils ont besoin pour aujourd'hui et pour demain. Et nous devons mieux faire coïncider ces besoins avec les aspirations et objectifs professionnels des demandeurs d'emploi. Je vous félicite pour le mémorandum Maroc-Nigéria, signé au mois de septembre, sur la construction d'un gazoduc. C'est une très bonne nouvelle, aussi pour l'Europe. Le gazoduc sera connecté au gazoduc Maghreb-Europe et au réseau gazier européen. Ce type d'investissement permettra d'approfondir nos relations et notre coopération. Cette conférence et 10 ans d'autres interactions diplomatiques démontrent le grand momentum de la diplomatie marocaine. Même dans le cadre des tensions régionales, le Maroc est conscient de son importance géopolitique. D'ailleurs, dernièrement, Sa Majesté le roi Mohammed VI a récemment annoncé sa participation au sommet de la Ligue arabe à Alger. Le jeu est important. Unifier les pays arabes autour d'une vision commune de paix, retrouver des prospérités et de travailler ensemble, surmonter les divisions et dissensions. Lorsque nous observons l'état du monde aujourd'hui, on doit se rappeler que notre avenir s'est construit avec des idées nouvelles, tout en étant fondé sur nos valeurs les plus anciennes. Le système international que les nations du monde ont construit depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale est en train de s'effondrer. Il est de la responsabilité de tous d'ouvrir pour la paix. Mais une paix durable, une sécurité, une justice et un progrès économique pour tous. Nous devons repenser notre politique étrangère. C'est le moment d'investir dans le pouvoir des démocraties, de tous nos partenaires qui partagent les mêmes valeurs, à savoir dans chaque nation démocratique de ce monde. Ce n'est qu'en mobilisant notre pouvoir collectif que nous approfondirons nos liens et renforcerons nos relations. Pour finir, au cours de 10 dernières années, j'ai réussi à convaincre la présidence de mon parti investir à travers un partenariat politique avec le RNI et avec l'Istiklal dans leurs relations avec le Maroc. Une des fruits de ce partenariat est la visite à la fin du mois d'août d'une grande délégation de la jeunesse du Parti populaire européen qui tient à renforcer également ce lien avec la jeunesse istaklénienne et celle du RNI. Comme d'habitude, j'ai rien ici un ami qui croit dans le potentiel de relations entre l'Espagne et l'Union européenne avec le Maroc, mais aussi avec la région dans son ensemble. Investir dans notre jeunesse, dans tout le sens du terme, c'est assurer un meilleur avenir pour tous, car nos enfants sont le futur. C'est aussi assurer des bases solides pour un partenariat durable, pour un avenir prospère et la paix pour tous. Comme je finis toujours mes discours en Espagne, je dis mes deux filles, petites filles, je bois, je suis sûr que tout le monde ici, qu'au futur, vivront dans une situation mondiale plus stable, démocratique. Je ne veux pas que ce soit le Parti communiste de la Chine à dicter le futur de mes filles. Je n'ai aucune chose en contre de le commerce avec la Chine, tout le commerce que tu veux, mais le futur de mes filles, non. Et je pense que tout le monde pense la même chose. On doit défendre la démocratie. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas une lutte équitable. On lutte contre le régime proche aussi du Maroc, de l'Espagne, autour de nous tous. Mais à la fin, comme ça passait avec la première part de la guerre froide, à la fin, la victoire sera la nôtre. Merci beaucoup.